Professeur Walid Lagoun, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, modification de la loi organique relative au régime électoral, ce projet avec les différents changements va-t-il permettre une crédibilité des opérations électorales? Ces changements sont-ils fondamentaux aujourd'hui pour une crédibilité des scrutins? Vous savez bien, Souleyna Dachmi, qu'après la révision de la Constitution, le président de la République a initié la révision de la loi électorale. La loi organique relative aux élections est une loi fondamentale qui va avoir des effets directs sur l'ensemble du paysage politique. Et bien évidemment, il fallait la revoir dans ses principes de base, dans ses règles, notamment celle qui consiste à assurer une meilleure gestion, un meilleur contrôle des opérations électorales, sur le financement des campagnes électorales, sur l'encouragement des jeunes à participer à la vie politique et également sur l'ensemble des mécanismes qui permettent évidemment que les élections se fassent dans un esprit de régularité et de transparence. D'ailleurs, dès l'abord, ce qu'il y a de nouveau dans la loi, c'est que des principes fondamentaux ont été définis pour la première fois dans la loi organique et qui déjà déterminent les objectifs de la loi. Mais quand vous dites que les principes fondamentaux ont été déterminés avec ce projet de révision, bien sûr, de cette loi organique relative au régime électoral, est-ce qu'on peut penser que ce projet va permettre à la fois une crédibilité des opérations électorales, mais à la fois il change totalement le mode du scrutin proposé aujourd'hui, plus de marchandage de voix, puisque même ce qui est proposé aujourd'hui, c'est la disparition de la logique de la tête de liste. Vous faites bien de poser cette question, puisque toute la loi et toutes les modifications s'ordonnent autour du nouveau mode de scrutin qui a été établi. Alors que l'ancien mode de scrutin était un scrutin de liste fermé et hiérarchisé, dans lequel l'électeur ne pouvait avoir de choix que de voter pour une liste, soit pour une liste de parti, soit pour une liste d'indépendants. Ce qui a donné lieu à des effets extrêmement négatifs, dont et l'achat des voix, etc., dans l'intervention de l'argent sale, j'allais dire, dans les campagnes électorales, etc. Ce nouveau mode de scrutin est un mode de scrutin à la représentation proportionnelle, avec vote préférentiel sur une liste ouverte, sans panachage. Ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchisation, il n'y a plus de tête de liste. Le candidat, l'électeur est libre dans la liste de choisir le candidat qu'il préfère. Et à partir de là, tous les effets négatifs de l'ancienne loi s'estompent. On ne peut plus acheter ni des voix, ni des places. La volonté, c'est de séparer l'argent de la politique impérativement aujourd'hui pour crédibiliser l'opération électorale. Eh bien, c'est l'objectif. Et ce mode de scrutin le permet. Voilà déjà l'une des réformes fondamentales qui vont bien évidemment avoir des effets sur les autres aspects de la loi. Par exemple, sur le financement, on ne s'arrête pas uniquement à définir un mode de scrutin, mais sur le financement, il y a beaucoup de nouveautés. Par exemple, l'interdiction des dons provenant des personnes morales, qu'elles soient publiques ou privées, l'interdiction des dons provenant de l'étranger, fixer un seuil de dépenses à la fois pour les candidats que pour les partis, les règles de contrôle du financement. Ah, voilà une nouveauté par exemple. Tout candidat maintenant est tenu d'ouvrir un compte de campagne. Il est tenu de désigner un trésorier. Et le trésorier est l'ordonnateur des dépenses de la campagne. Et il est responsable. Il y a maintenant, il a été créé, ça n'existait pas, il a été créé auprès de l'ANI, une commission de contrôle des finances, dont la composition est fixée par la loi, et qui est composée de magistrats de la Cour suprême, des magistrats de la Cour des comptes, des membres de l'organe qui est maintenant constitutionnel de prévention contre la corruption, etc., et qui, elle, est habilitée, seule habilitée, à se prononcer sur les dépenses de campagne. Vous voyez, un ensemble de mesures qui vont permettre effectivement de séparer l'argent,
J'allais dire l'argent, pas seulement l'argent sale, mais l'argent tout court. Exception en fait des dépenses qui sont autorisées de la vie politique. Ce qui a été d'ailleurs l'un des aspects les plus négatifs des anciennes élections. Mais quand vous parlez de financement, l'aspect relatif bien sûr à cet aspect qui est important aujourd'hui, il y a aussi interdiction du financement étranger. Oui, je viens de le dire. Tout financement qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'ordre, qu'il soit national d'ailleurs ou étranger, est formellement interdit. Et la commission des finances qui vient d'être, qui va être instituée une fois que la loi sera promulguée, aura pour tâche essentiellement de veiller à tous ces mouvements de fonds en ce qui concerne les candidats. Il y a eu pas moins de 24, bien sûr, articles spéciaux pour le contrôle et financement du processus électoral. Je reviens sur l'aspect un peu global de cette révision de ce projet de loi organique relatif, bien sûr, au code électoral. Il y a eu pas moins de 188 articles modifiés sur l'ensemble des 313. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a également cette volonté de faire adhérer les jeunes au processus électoral, puisque 30% des candidatures seront consacrées désormais, selon ce projet, aux jeunes de moins de 35 ans. Est-ce qu'on peut considérer que cette disposition vise au rajeunissement de la classe politique et une plus grande adhésion des jeunes dans la vie politique? C'est l'objectif. Vous savez bien que la société algérienne est composée au moins de 70% de jeunes. Il n'est pas normal que ces jeunes ne prennent pas part à la vie politique. D'ailleurs, tout cet élan créé par le Hirak, il fallait quand même trouver les moyens de canaliser ce militantisme. Déjà, on a bien vu dans le Hirak tout cet engagement des jeunes. Eh bien, la loi a essayé de trouver des mécanismes pour canaliser ce militantisme et l'intégrer dans un processus plus global et plus transparent. Donc, en ce qui concerne les jeunes, ce que la loi prévoit aujourd'hui, c'est que l'ensemble des listes doivent contenir obligatoirement un tiers des jeunes de moins de 35 ans. Et d'ailleurs, pour que cette participation soit effective, la loi prévoit que les dépenses de campagne des jeunes sont prises en charge totalement par l'État. En ce qui concerne, bien évidemment, les listes de jeunes indépendants. Il y a la liste des jeunes qui sont dans les partis. Ceux-là sont financés par leur parti. Et il y a la liste des jeunes qui peuvent être initiés d'ailleurs par eux-mêmes et qui pourraient, non pas qui pourraient, mais ils peuvent disposer de financement total et de concours indirect, bien évidemment, de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce principe de cette révision de ce texte, que c'est l'expression populaire qui est aujourd'hui reprise dans ce projet de révision de cette loi organique? Bien sûr. Toute révision d'un texte d'une telle importance se fait dans un contexte. Il y a eu le contexte de Hirak qui a donné lieu d'abord à la révision de la Constitution et immédiatement à la révision du code de la loi organique relative au régime électoral. D'ailleurs, cette révision du régime juridique relatif aux élections a été faite à partir de la modification de deux lois. La loi organique relative au régime électoral de 2016 et la loi organique de 2019 relative à l'année qui ont été regroupées en une seule loi afin d'unifier le régime juridique relatif aux élections. Mais il y a les 30% de jeunes, mais il y a aussi dans ce projet, bien sûr, de modification de la loi organique relative aux élections qui consacre aujourd'hui le principe de la parité homme-femme 50-50. C'est important. On lève la question des quotas qui étaient fixés aux femmes. Alors, les 30%. Le mode de scrutin retenu est incompatible avec les quotas. Donc, une fois le mode de scrutin établi, ce mode de scrutin que je vous ai décrit ne peut pas s'accommoder des quotas. Et donc, l'alternative a été, en respect de la Constitution, d'assurer une parité dans les candidatures hommes-femmes. Exception faite, des communes de moins de 20 000 habitants qui ne comportent pas, bien sûr, qui pour certains pourraient poser des problèmes pour les candidatures des femmes. Mais c'est important aujourd'hui pour consacrer dans le sens effectif par rapport à la Constitution cette parité homme-femme, puisque la Constitution la consacre déjà, l'égalité des hommes et des femmes. Le principe de parité est consacré dans la Constitution.
il fallait qu'il soit traduit dans les faits. Pour être traduit... Pour qu'il n'y ait pas une sorte de dichotomie. Il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a plus. Il n'y a plus de dichotomie. Il appartient maintenant aux électeurs de choisir librement dans la liste le candidat de leur choix, qu'il soit homme ou femme ou jeune ou universitaire. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu aussi un quota pour les universitaires. Il y a eu le tiers pour les jeunes et le tiers pour les universitaires. Il n'y a pas que des universitaires dans la liste, parce qu'il s'agit là d'un processus de représentation. Et des personnes qui ne sont pas, bien sûr, qui ne sont pas universitaires peuvent tout à fait être de bons représentants. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être un bon représentant. Mais je voudrais revenir un peu sur la parité homme-femme par rapport aux 50% qui sont consacrés aux femmes désormais sur les listes électorales. Vous avez aujourd'hui cette question qui est posée par certains partis politiques, associations également, représentants de la société civile, qui considèrent que les 50% de parité pour les femmes ne reflètent pas le nombre des 20 000 habitants par commune, ce qui est aujourd'hui pour eux erroné, puisque les chiffres sont dépassés. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément ? On dit que les 20 000, il y a plus que 20 000 par commune. Alors, sur les 1541 communes dans le pays. Certains ont avancé que les communes algériennes, dans leur majorité, ont dépassé le chiffre de 20 000. Là, on revient tout simplement à la réalité des chiffres. Est-ce que vous savez que sur les 1541 communes, il y a à peu près 1000 communes qui ont moins de 20 000 habitants? Je peux même vous donner... les chiffres exacts. Il y a 953 communes de moins de 20 000 habitants et il y a 335 communes de plus de 200 000 habitants. Donc vous voyez, s'il fallait réviser, il fallait réviser encore à la baisse. Donc voici les chiffres. Donc vous avez pris une moyenne de 200 000 habitants. Les 20 000 habitants sont les 20 000 qui ont été consacrés aussi dans l'ancienne loi. Nous ne l'avons pas touché. Il faut savoir aussi, Souhaïla Lachmi, que le corps électoral en Algérie est presque paritaire. Vous savez que le corps électoral, selon les chiffres du dernier référendum, est à peu près, j'allais dire à peu près, égal, puisque 46% du corps électoral aujourd'hui sont des femmes. Je peux même vous donner le chiffre exact en ce qui concerne le corps électoral. Alors pour les hommes, il y a 13 211 973 hommes. Et il y a 11 254 645 femmes, soit 46% des femmes composent les listes. Et vous voyez, on a presque la parité. Alors je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces modifications qui sont importantes et fondamentales aujourd'hui pour assurer une crédibilité des prochaines élections, qu'elles soient bien sûr communales, c'est-à-dire locales, législatives ou présidentielles. Il y a 8 articles qui ont été introduits, qui sont relatifs au processus préparatoire du scrutin, et 26 articles concernent le processus de vote, contenant bien sûr cet article modifié. Est-ce qu'on peut considérer que cette loi prend en considération l'amont et l'avant-élection et après l'élection et pendant l'élection ? D'abord, il faut préciser, et ça c'est très important, puisque dès le départ, vous avez posé la question de la transparence des élections. Vous savez que l'ANI, qui est l'autorité nationale chargée, indépendante chargée des élections, est la seule autorité habilitée à gérer et à contrôler. C'est une autorité administrative indépendante. Il n'y a plus d'interférence de l'administration dans la gestion et le contrôle des opérations électorales. L'ANI est compétente depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires pour ce qui concerne les APC et les APW et définitifs pour ce qui concerne les APC et les APW et provisoires pour ce qui concerne les législatives et les présidentielles. Et elle est la seule. Et là, nous avons procédé à trouver les mécanismes de renforcement de l'indépendance de cet organe. D'abord, nous avons réduit le nombre des membres de l'ANI, qui était de 5, du conseil de l'ANI, qui est passé de 50 à 20, afin de rendre un peu
de donner corps au principe de collégialité dans la prise de décision. Et ça, c'est important. Alors, professeur Walid Laghoune, moi, je voudrais revenir encore avec vous sur certains aspects relatifs, bien sûr, à cet avant-projet de loi de révision de la loi électorale. Alors, ce qui est relevé, on parle de l'ANI, dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction, c'est un organe totalement indépendant, ce qui évitera l'interférence à l'avenir de l'administration dans toutes les opérations électorales. Ce qui est relevé, c'est qu'il y a, bien sûr, réduction du nombre des membres de l'ANI, qui passe de 50 à 20, 20 membres de l'ANI désignés exclusivement par le président de la République avec un seul et unique mandat de 6 ans, non renouvelable pour tous ou seulement le président de l'ANI? Pour tous. Il faut savoir qu'un certain nombre de mécanismes ont été introduits pour assurer l'indépendance de l'organe. Vous avez cité le mandat unique. N'oubliez pas que l'ANI est créé par la loi, non pas par un décret. C'est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de deux organes essentiels. Un organe délibérant, qui est le conseil, qui a le pouvoir de décision, et un organe d'exécution, qui est le président. Le nombre est passé de 50 à 20 pour assurer une meilleure effectivité dans le travail. D'ailleurs, globalement, nous avons suivi en cela les tendances mondiales, qui sont à peu près de 9 à 12 membres. Nous avons, compte tenu de l'extension du territoire et du souci de représentativité, porter le nombre à 20, dont un représentant la communauté algérienne à l'étranger. Évidemment, ils sont désignés tous parmi des personnalités indépendantes. Pas exclusivement des enseignants de droit? Absolument pas. La loi dit des personnalités indépendantes. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient des enseignants de droit. C'est des personnalités indépendantes que le président de la République désigne. Il ne faut pas oublier que le président de la République, lorsqu'il procède à des désignations, il le fait en sa qualité de président de la République. Il n'est pas l'exécutif, le président de la République. Le président de la République, c'est l'autorité suprême qui tient sa légitimité de son élection au suffrage universel. Donc, il faut le savoir. Donc, cet organe, qui est le Conseil, est composé de 20 ans. Mais l'ANI dispose de démembrements au niveau des wilayas, des communes. Et c'est ceux-là qui vont faire le travail concret, pratique, de dépouillement et de contrôle. Donc, il y a là, nous trouvons dans la loi, tous les mécanismes permettant à l'ANI d'être un organe indépendant. D'ailleurs, y compris, il dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et le contrôle de ses finances ne peut être fait que par la Cour des comptes a posteriori, de sorte à éviter toute immixtion de l'exécutif dans les attributions de l'ANI. Mais quand on parle d'indépendance, est-ce que cette indépendance est totale et globale, même sur le plan matériel et logistique et également financier? Puisqu'on a vu, durant les dernières élections, il y a eu quand même l'ANI qui a, bien sûr, qui s'est un peu appuyé sur les moyens de l'administration pour assurer l'élection. Non, l'ANI, et la loi le dit, peut recourir et demander à toutes les administrations concernées de lui apporter aide en ce qui concerne le déroulement pratique des élections. Sur le plan matériel et logistique. Sur le plan matériel et logistique, ce qui est normal. Mais l'ANI est seul responsable de toutes les opérations électorales, comme je vous l'ai dit, depuis la convocation du collège électoral jusqu'à la proclamation des élections. Alors, des résultats, pardon. Et bien sûr, le président de l'ANI, il est désigné parmi ses pairs, parmi les 20 membres. Parmi les pairs. Il doit être élu. Il est élu et après, il est nommé par le président de la République. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui aussi par rapport à cet avant-projet, c'est qu'il y a plusieurs amendements qui ont été introduits, qui concernent bien sûr les infractions et les irrégularités au processus électoral. C'est important dans le contexte actuel, c'est-à-dire on pointe du doigt ce qui pourrait aujourd'hui entacher une opération électorale. Alors, sur ce point, on nouveau. Ne peut plus bourrer les urnes comme ce fut par le passé. Bon, je vais revenir sur le bourrage des urnes, mais d'abord les infractions électorales. Ce que la commission introduit de nouveau, c'est la motion d'infraction électorale. Alors maintenant, il est défini que tout acte tendant à entraver de quelque manière que ce soit, ou par quelque moyen que ce soit, une opération électorale est considéré comme infraction électorale et puni dans le cadre des dispositions qui sont prévus par la loi, d'ailleurs. Sur les 38, il y a eu 14 nouveaux articles. Voilà, nous avons élargi le nombre des infractions électorales, puisqu'il a été constaté dans la pratique un certain nombre d'entraves, jusqu'à
le bourrage des urnes, comme vous en avez, comme vous l'avez indiqué, le fait d'empêcher des électeurs d'aller voter, de prendre des urnes, par exemple, de voler carrément des urnes et de s'enfuir avec. Bref, tout ce qui est de nature à entraver, y compris par les moyens électroniques. Et ça, c'est nouveau. Y compris par les moyens électroniques, eh bien, est considéré comme infraction électronique. Donc voilà, là, un ensemble de mécanismes pour assurer un bon déroulement, une régularité et une transparence des opérations électorales. Maintenant, il appartient aussi aux acteurs de participer au contrôle des opérations électorales, puisque la loi leur permet d'assister au dépouillement, d'avoir avec eux des procès-verbaux, etc. Mais quand vous parlez de l'empêchement du processus électoral qui est considéré aujourd'hui comme étant une irrégularité, mais quand cet empêchement se fait dans la rue, c'est considéré aussi comme étant une irrégularité, oui. Puisque vous parlez des moyens électroniques, c'est-à-dire si on arrive à filmer quelqu'un, il sera poursuivi à l'avenir. Vous savez quels sont les problèmes que posent aujourd'hui les infractions électroniques, hein, et les problèmes, les difficultés aussi de ce qu'on a pu appeler la cybercriminalité. Mais là, ça rentre bien entendu au nombre des infractions électorales. Dans la rue, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut par exemple constater l'arrachage des affiches. C'est prévu dans la loi. Il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, arracher des affiches, les détruire, empêcher par exemple la tenue de meeting. Tout cela va rentrer évidemment au nombre des infractions électorales. Alors, professeur Walid Laghoune, bien sûr, vous avez proposé ce texte et vous l'avez remis, bien sûr, la présidente de la République l'a remis aux partis concernés, à savoir la société civile et avec ses représentants, les partis politiques aussi et les représentants. Vous avez reçu quand même un certain nombre aujourd'hui de réponses par rapport à ce projet de loi et sa modification, puisqu'il change complètement le principe de l'élection, des élections et du mode du scrutin en Algérie sur le plan de la forme et du fond. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un fort engouement? Certains disent que certains partis politiques n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt. Ben, ce n'est pas mal l'impression, puisque beaucoup de partis se sont intéressés. Ils sont d'ailleurs prononcés, que ce soit dans les médias, écrits, audiovisuels, sur leur vision, leurs apports, etc. Donc la commission, dès son installation, a procédé d'abord à des consultations avec les différents acteurs. Le premier, c'est le ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a un ensemble de données pratiques et concrètes qu'il faut savoir. On ne fait pas une loi électorale en méconnaissance des aspects relatifs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai cité la part des femmes dans le corps électoral, le nombre de jeunes, tout cela. Donc, nous avons travaillé avec monsieur le ministre de l'Intérieur, avec les cadres du ministre de l'Intérieur, avec l'ANI, sur les aspects pratiques du déroulement des élections, puisque l'ANI a déjà procédé à la gestion de deux élections, les élections présidentielles et le référendum qui s'est déroulé le 1er novembre. Donc tout cela a permis d'apporter des correctifs aux anciennes lois. Quant aux partis, eh bien, à l'heure où je vous parle, la commission a reçu des propositions émanant de 35 formations politiques que la commission est en train d'examiner attentivement pour pouvoir après les porter à monsieur le président de la République. Alors, bien sûr, ces modifications concernent toutes les élections, que ce soit les élections locales, c'est-à-dire APC, APUI, que ce soit les législatives, qui pourraient peut-être arriver plus tôt que prévu, puisque le président annonce déjà des élections anticipées avec la dissolution du Parlement prochainement, bien sûr, une fois ce processus totalement adopté. Il y a, au niveau local, puisque c'est important, pour l'Assemblée populaire nationale, 16 articles qui ont été modifiés. C'est important, ça va permettre un meilleur fonctionnement au niveau des APC. Écoutez, parce qu'on a vu par le passé des dualités qui ont poussé, qui ont mené même vers le blocage de l'Assemblée populaire nationale. Alors, il ne faut jamais perdre de vue, quand on approche la loi électorale, le mode de scrutin. C'est pour ça qu'on revient toujours au mode de scrutin. La loi électorale s'ordonne autour du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin de liste ouverte. Et ça a des conséquences sur toute la vie, j'allais dire, politique. À partir du moment, soyez dans les chemises, où vous aurez la liberté de choisir le candidat que vous préférez dans la liste, eh bien, vous allez choisir le candidat qui vous semble être le mieux
placée pour gérer les affaires publiques. C'est un pas extrêmement important. Donc vous avez supprimé la hiérarchisation dans les listes. Absolument. C'est pas celui qui vient le premier, il est automatiquement élu. C'est pas celui qui vient en deuxième position, absolument, qui est automatiquement élu. Si on arrive à choisir un candidat même qui est en bas de liste, c'est-à-dire en 20e position, si on vote pour lui, c'est lui qui décroche, bien sûr. C'est simple. Il n'y a plus de classement. Il n'y a plus de hiérarchisation dans les listes. On vote pour Uber. Est-ce que les révélations qui ont été faites ont permis d'intervenir ça a servi de jurisprudence, puisque vous êtes un homme de droit. Vous savez, dans les modes de scrutin, il y a beaucoup de modes de scrutin qu'on a analysés. Tous les modes de scrutin ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Lorsqu'on opte pour un mode de scrutin, il y a un ensemble d'avantages. Il y a bien évidemment quelques... Mais on choisit un mode de scrutin par rapport à une expérience passée. Le mode de scrutin de liste fermée a eu des conséquences néfastes sur l'achat des voix. Plus grave encore, il n'a pas permis l'émergence des élites, qu'elles soient locales ou nationales. Et ce choix aujourd'hui va, cette liberté dans le choix va, je l'espère, permettre l'émergence des élites locales, puisque vous parlez des communes, et des élites nationales. Et on aura aujourd'hui peut-être une meilleure représentativité du corps électoral. Au sein des assemblées, qu'elles soient locales ou législatives. Ou législatives, puisque le même mode de scrutin s'applique aux communes, aux wilayas, aux APW et à l'élection de l'Assemblée populaire nationale. Et d'ailleurs, il y a eu même limitation des candidatures, des mandats au niveau des législatives à deux mandats, au même principe que la présidentielle. Alors pour les présidentielles aussi, le même principe, des modifications également. Pour les présidentielles, l'élection elle-même ou le mode de scrutin ne pose pas de problème, puisque c'est une élection de type particulier. Il n'y a pas eu de grandes modifications, sauf à préciser un certain nombre de conditions relatives aux candidats qui ont été introduites dans la Constitution et qui ont été projetées et mises en œuvre dans la loi. Et le plus important, les plus importantes modifications concernent l'élection des assemblées populaires locales et l'Assemblée populaire nationale. Alors pour l'élection, bien sûr, présidentielle, il y a eu 10 modifications sur les 19 articles existants. Moi, je voudrais revenir Pour cela, Souhaïla, excusez-moi, puisqu'on parle d'élection locale, pour le Conseil de la Nation, nous avons, vous savez que le Conseil de la Nation est élu parmi les APC et les APW. On a mis une condition. Et il y a le tiers présidentiel. Le tiers présidentiel est renouvelable tous les 3 ans. Désigné. Mais je parle des membres du Conseil de Nation qui sont élus parmi les APC et les APW. Une nouvelle condition a été introduite. C'est que aucun candidat ne peut se présenter au Conseil de la Nation s'il n'a accompli un mandat complet. Plusieurs, on a vu que certains candidats à l'élection du Conseil de la Nation n'avaient pas terminé un seul mandat. C'est-à-dire qu'en fait, leur candidature au sein des APC et des APW ne servait que de piédestal pour arriver. Ils sont cooptés automatiquement. Mais là, la condition, c'est qu'ils aient accompli un mandat complet pour pouvoir apporter d'abord leur expérience, puisque le Conseil de la Nation a pour vocation première de représenter les territoires. Et de gérer les territoires. Exactement. Alors, question d'auditeur, ils vous disent, est-ce qu'il est opportun d'exiger aujourd'hui des qualifications aux candidats, puisque nous avons vu que la question de diplôme universitaire a été complètement supprimée pour certaines candidatures, notamment au niveau local. Non, elle n'a pas été supprimée. Non, elle a été maintenue, avec un tiers. Voilà. Parce que élire de représentants, le critère fondamental, ce n'est pas le diplôme. C'est la représentativité auprès des populations. Vous pouvez estimer, Souhaïla Hachemi, qu'une telle personne, même si elle n'est pas diplômée, vous représente mieux. On peut représenter des professions. On peut. Les agriculteurs peuvent, bien évidemment, représenter des personnes qui les représentent pour le mieux. Alors nous avons fait un équilibre. Un tiers des candidats, un tiers des listes doivent. Les listes doivent comporter un tiers des universitaires. Nous n'avons même pas dit diplômé, mais au moins universitaire. Et le reste est ouvert à toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir assurer une bonne représentation aux citoyens qui les élisent.
Alors, nous avons bien sûr vécu des moments un peu difficiles, puisque cette loi intervient en réponse un peu de l'aspiration populaire fortement exprimée lors du Hirak du 22 février 2019, qui a conduit bien sûr à des élections présidentielles anticipées, et également bien sûr le changement de toutes les instances avec bien sûr la révision fondamentale de la loi fondamentale, à savoir la Constitution, d'où va découler aussi plusieurs changements à l'avenir. La question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il va falloir en quelque sorte éliminer aussi des listes les personnes qui sont impliquées dans des affaires de corruption, c'est-à-dire veiller à la crédibilité de l'élection en supprimant déjà ces personnes. C'est prévu dans la loi puisque nul ne peut être candidat s'il est poursuivi, s'il est condamné ou poursuivi pour des actes, bien évidemment, délictueux. Et là, c'est le casier judiciaire. Alors, vous avez cette autre question qui est posée aujourd'hui par les partis politiques, à savoir qu'ils considèrent que les 4% obtenus lors des derniers suffrages est une question, est une disposition éliminatoire. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, monsieur professeur Walid Lagou? Nullement, elle n'est pas éliminatoire, puisque déjà, dans les anciennes élections, cette condition était posée. Et beaucoup de partis, aujourd'hui, ont satisfait à cette condition. Et je tiens à préciser, mais comment l'appliquer aujourd'hui concrètement, que cette condition ne s'applique pas aux nouveaux partis. Nouveaux partis, mais il y a des petits partis qui ne sont pas nouveaux. Il y a des petits partis qui ne sont pas nouveaux, mais si vous faites... Et qui ont participé aux élections, oui, qui n'ont pas obtenu les 4%. Qui, si vous faites le décompte, vous allez voir que pour la plupart, ils satisfont à cette condition. D'ailleurs, c'est un point qui fait débat au sein même de la classe politique. Et il y a des partis qui sont pour son maintien, des partis qui sont pour sa suppression, et d'autres qui considèrent qu'il faudrait peut-être, pour les prochaines élections, les suspendre comme disposition transitoire. Mais c'est un point qui fait débat et qui, bien évidemment, est étudié par la Commission. Il appartiendra aux autorités compétentes de pouvoir trancher sur cette question. Mais ce n'est pas un point fondamental, il ne faut pas en faire un point fondamental. C'est un point intéressant à discuter, c'est un point qui fait débat, mais sans doute qu'il va faire l'objet d'un examen très particulier. Mais est-ce qu'il a fait déjà l'objet de recours de la part des partis politiques, puisque vous avez reçu pas moins de 35 propositions de partis politiques? Pour l'instant, nous sommes en train d'étudier toutes ces propositions, je pense, hein, puisque certains partis l'ont déjà exprimé publiquement. Je pense que dans leur proposition écrite, ils vont le soulever. Et nous l'étudierons avec le plus grand intérêt. Et il pourrait être maintenu comme il pourrait être aussi supprimé, comme ce fut le cas pour le poste de vice-président dans la Constitution. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit, est-il fait mention au quorum, c'est-à-dire est-ce qu'il est mentionné un taux minimum de votants pour qu'un résultat de l'élection soit validé ou invalidé? Non, professeur Lagoun, par rapport au système. Dans le système juridique algérien. Il faut l'expliquer pour que les gens le comprennent. Oui, parce que il y a des systèmes. Avec 27 ou 25 ou 23% de taux de participation, est-ce qu'on peut valider une élection? Il y a des systèmes juridiques ou des systèmes politiques qui posent cette règle du pourcentage. Ils ne sont pas nombreux dans le monde. Et il y a d'autres systèmes qui ne posent pas de règles relatives au pourcentage pour la validité des élections. Alors en Algérie, il n'est pas exigé un pourcentage minimum pour que les élections soient validées. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'on pourrait aller aussi vers une révision globale, c'est-à-dire des élections à deux tours? Non, il y a ce système d'élection de liste, sur les listes, c'est un système à un tour. C'est-à-dire, il peut y avoir éventuellement dans le... Parce qu'il se fait en pratique, il se fait en deux étapes. D'abord, on vote dans une liste, il n'y a pas de panachage, vous ne pouvez pas voter sur deux listes. Et ensuite, on procède à... au décompte du nombre des sièges obtenus par chaque candidat dans les listes. Alors certains considèrent aujourd'hui que pour assurer cette crédibilité des élections, il faut des signaux forts, c'est-à-dire d'une volonté d'un réel changement. Est-ce qu'on peut considérer le 2 jumelé, c'est-à-dire la constitution nouvelle qui a été révisée fonde dans 65% de ses dispositions, avec bien sûr cette loi organique relative au régime électoral? Il y a des changements fondamentaux aujourd'hui dans cette Algérie nouvelle, professeur Lagou, certains disent... Parfois, on a l'impression que ce ne sont pas les textes qui font les changements. Écoutez,
c'est sans doute pas les textes qui font le changement, mais on ne peut pas faire de changement sans des textes. Parce qu'il faut des textes. Maintenant, il faut veiller à l'application de ces textes et mettre en place tous les mécanismes, toutes les techniques, tous les instruments pour que ces textes puissent être mis en œuvre et respectés. Alors quand on parle aujourd'hui de la nécessité de prendre en considération notre environnement qui change totalement par rapport bien sûr aux moyens technologiques qui sont développés, le vote via bien sûr Internet, est-ce qu'on pourrait l'envisager à moyen ou long terme? Pourquoi pas avec le développement des technologies. On fait tout avec la technologie. Tout est possible, mais pour l'instant, on n'en repart pas avec la technologie. Assurant et contrôlant et veillant à ce que le vote manuel soit fait dans les meilleures conditions. Et assurer sa crédibilité, c'est absolument le plus important. Professeur Walid Lagoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.